أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أما بعد. Aujourd'hui, avec un nouvel élément de la lecture coranique, qui est la basmala, c'est-à-dire tout simplement le fait de dire bismillah. Dans la langue arabe, nous avons la possibilité avec un seul mot de donner la description de toute une phrase. Dire bismillah, on appelle ça la basmala. Dire alhamdulillah, on appelle ça la hamdala, etc. Tout un tas de mots comme cela. Donc ce mot, vous avez l'habitude de le dire. On va essayer de voir, inshallah, ce qu'il signifie. Déjà, dans bismillah ar-Rahman ar-Rahim, il y a un verbe qui est caché, qui est « je lis au nom d'Allah ». Je récite au nom d'Allah. Je médite au nom d'Allah. Quand on dit « Bismillah », cela signifie que j'ai conscience que je le fais pour Allah et par les bénédictions d'Allah. Donc quand je dis « Bismillah », ce n'est pas simplement « je fais cette chose-là pour obtenir une baraka, une bénédiction », même si effectivement c'est un des résultats. Mais quand je dis « Bismillah », j'ai conscience principalement de deux choses. Je ne pourrais le faire que si mon Seigneur me donne, et deuxièmement, je ne dois le faire que pour lui. On revient à la notion de ce qu'on appelle l'ikhlas, la sincérité absolue dans l'unicité d'Allah Azza wa Jal. Ensuite, on dit « Bismi » par le nom d'Allah. Allah, c'est celui qui est adoré, le seul, l'unique, sans associé. Ensuite, nous avons « Ar-Rahman, Ar-Rahim ». Alors, « Ar-Rahman », il signifie, écoutez bien ce nom magnifique, il signifie « celui dont la miséricorde complète, englobe toute chose. » Et Ar-Rahim signifie « celui dont la miséricorde intense ne cesse de se renouveler. » Très souvent, les gens se disent « mais pourquoi nous avons deux fois un nom qui a la même base qui est Ar-Rahma, la miséricorde ?» Eh bien, c'est parce que le premier vient exprimer la perfection d'Allah Azza wa Jal, et donc la perfection de sa miséricorde, et le deuxième nom vient nous décrire le fait que cette miséricorde, bonne nouvelle pour nous, elle ne cesse de se renouveler. D'accord ? Deuxième élément que nous allons voir ensemble, inshallah ta'ala, c'est ouvrir la lecture par la basmala. Et c'est ouvrir son cœur au trésor que nous avons dans le Coran. Tout comme dans la vidéo précédente, je vous avais expliqué al-isti'adha, le fait de chercher protection auprès d'Allah, je montre mon impuissance face à la puissance d'Allah Azza wa Jal. La basmala ici, c'est montrer que, ya Allah, tu es celui qui donne. Et je veux te montrer à travers cette parole que je ne fais cette action que pour toi et j'ai conscience que c'est par ta puissance que je peux le faire. La même chose que la première, l'humilité qui naît dans ton cœur, dans mon cœur et dans nos cœurs, inshallah ta'ala. Et c'est fondamental. La basmala est quelque chose qui vit avec nous. Quand tu t'assieds, bismillah. Quand tu lis le Coran, bismillah. Quand tu manges, main droite, bismillah. Quand tu vas donner quelque chose à quelqu'un, une sadaqa, bismillah. Tu comprends? Toutes ces choses-là viennent nous rappeler en fait l'intention de base. Je suis là pour adorer mon Seigneur. Et je suis là pour appliquer le verset « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Ce qui signifie « je n'ai créé, Allah Azza wa Jal nous dit dans le sens, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour l'adoration finale à ajouter pour l'explication dans toutes les dimensions de nos vies. » Alors, tout simplement, maintenant que nous avons vu la basmala, nous allons commencer avec le Coran, Inch'Allah. Alors on dit « Bismillah, Inch'Allah ta'ala ». D'accord ? Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre la bénédiction dans notre connaissance. « As'alullah subhanahu wa ta'ala an yubarik fi ilmina jami'an ya rabbal alamin » et qu'il nous accorde une science utile. « Hada wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in » والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر
يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب